Aujourd'hui les gars pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement incroyable car oui, c'est une vidéo que vous nous avez énormément demandé suite à la vidéo comment avoir une bonne vision de jeu sur Fortnite. Aujourd'hui on va s'attarder plus précisément sur les fan zones, comment maîtriser les fan zones sur Fortnite. Vous savez c'est le moment où quand vous êtes en tournoi il reste plus que 30 personnes environ, 40 personnes si jamais c'est bien stack dans la game. C'est clairement un des moments les plus difficiles entre guillemets pour certaines personnes parce qu'il faut savoir gérer les lags, il faut avoir une très grosse aim et surtout évidemment une bonne vision de jeu en fin de zone parce que il faut savoir se déplacer tout ça. Et donc du coup c'est ce qu'on va voir plus précisément dans cette vidéo. Pour ce qui est de l'aim, des mécaniques etc, je vous laisse aller voir toutes les techniques de pro que j'ai pu présenter déjà sur la chaîne. Je tiens quand même à préciser quelque chose de très important. Il y a certaines personnes qui se permettent évidemment de juger dans les commentaires, oui tu te permets de faire ça alors que t'as pas beaucoup de perf. Les gars je vous conseille d'aller voir dans la description, il y a un tableau de mes performances. J'ai plus de 15 000 points de power ranking, plus de 10 000 euros de learning sur le jeu, voilà je vous laisse aller voir ça. Mais bon je pense clairement avoir assez de recul et assez de performance, une quinzaine de top 30 U. Donc du coup voilà, on perd pas plus de temps les gars, on est parti, let's go. Donc du coup voilà les gars, alors pour moi la fin de zone ça débute à partir d'environ la zone 50-50. On va s'y mettre directement. Donc voilà, la zone 50-50 c'est celle-ci. Voilà, c'est cette zone là qui est une des zones les plus importantes clairement. Et à partir de là, si jamais vous arrivez à vous placer dedans, c'est parfait. Alors pour gérer cette zone, il y a plusieurs choses à faire. Si jamais vous avez beaucoup de pads, le mieux à faire c'est de pads. Si jamais vous êtes des floppers, le mieux à faire c'est d'attendre et prendre le pad d'un mec à côté de vous pour pouvoir vous positionner. Ou si jamais vous êtes plutôt bien positionné, en l'occurrence je crois que moi j'étais pas trop mal niveau positionnement. Et donc du coup je m'étais permis de pouvoir me déplacer comme ceci en zone. Ou je crois que j'avais pad. Non, je crois que j'avais bien réussi, regardez. Parce que vu que je suis pas à l'opposé ici et qu'il y avait quand même pas mal de personnes déjà posées dans la zone, je me suis permis, je crois, on va pouvoir voir ça, voilà, de me déplacer tranquillement en zone. Et j'ai... Non, voilà, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui a posé un pad et donc du coup, je m'étais permis de prendre le pad pour aller me positionner. Donc j'avais fait cette fameuse technique d'attendre que quelqu'un pad pour pouvoir prendre le pad. Alors il y a pas mal de choses à faire. Si jamais la zone 50-50 ça vous intéresse de comment savoir bien la maîtriser, je vous conseille d'aller voir tout simplement mon tuto sur la vision de jeu. J'ai parlé énormément de la zone 50-50 qui est pour moi une zone très intéressante. Nous on va plus se focaliser sur la moving zone, les zones moving. Je vous mettrai tout simplement dans la description la vidéo sur la vision de jeu. On va dire que cette vidéo là est un complément sur la vidéo vision de jeu. Voilà, parce que là cette fois-ci on va uniquement s'attarder à la moving zone. Donc voilà, première chose à faire, je me mets border zone. Pourquoi? Parce que la border zone sur la zone 50-50 c'est clairement le best à faire. Et surtout bah voilà, je me mets à côté d'une maison pour pouvoir replace et pouvoir me mettre on va dire bien au niveau au niveau des maths tout simplement. Là je vois quelqu'un passer à côté de mon mur. Je le bloque directement, ça c'est une technique à savoir maîtriser évidemment. J'en avais parlé dans les techniques à savoir maîtriser, techniques de pro à savoir maîtriser, toujours dans la description. On bloque son adversaire, je mets une pyramide. Là malheureusement vous allez voir, je vais le crack et il va réussir à se barrer. Alors vous allez pouvoir voir que je vais lui mettre pas mal de pression hein, clairement. Mais dans l'idée... Voilà, il va se mettre hyper low, mais c'est pas moi qui va avoir le kill, tout simplement. Et ça, c'est dommage, clairement. Je suis assez deck de pas avoir obtenu le kill, mais bon, tant pis. Voilà. Je vais mettre la pyramide, je le replace. Je lui mets 83 encore une fois. Je le chitonne, littéralement. Et voilà, il vient de se faire KS par un mec. Donc, du coup, voilà. Je commence quand même à choper un peu de maths. Voilà. Je me remets plutôt bien. Donc, au moins, ça va. Là je me prends un petit focus, donc quand on se prend un focus comme ça les gars, directement, hein, on construit en métal, on essaye de s'écarter du focus. Et là je vais me remettre bien parce que voilà, j'avais pas mal de stuff. Là, très important, on voit que la zone est derrière moi. Alors ce genre de zone, clairement, c'est un régal. Que vous soyez en low ground, en mid ground ou en high ground, si vous êtes en high ground, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que bah, c'est là où vous allez pouvoir, si jamais vous avez un rocket, etc., bien pouvoir maîtriser la hauteur parce que bah, vous avez juste à extend. Là, clairement, pour ce qui est du high ground, on verra peut-être ça après, clairement. Mais dans l'idée, voilà. Moi, personnellement, je suis en low ground. Je vais rester en low ground. Je vais me rapprocher le plus possible pour avoir de l'avance sur les adversaires. Voilà, j'avance petit à petit. On va essayer de choper des kills.
Je suis au-dessus de la Storm Surge, vous voyez. 248 au-dessus. Parce que j'ai quand même 2 kills, je crois. Un kill, mais j'avais fait beaucoup de dégâts. Voilà, là j'utilise les constructions des autres pour pouvoir économiser le plus de maths possible. Pour avancer, ça c'est une technique à faire absolument. Si jamais vous avez des maths en face de vous, qui, par exemple, vous avez de l'avance sur vos adversaires, n'hésitez pas à rentrer dans les autres maths. Pourquoi ? Parce que c'est très rare qu'un joueur revienne dans ses maths, surtout en solo. C'est très rare qu'un joueur revienne dans ses maths. Pourquoi ? Parce que soit il est déjà mort, etc. Donc vous pouvez en profiter si jamais vous avez de l'avance uniquement. Parce que si jamais vous avez du retard, il est possible que le mec ait eu le temps de revenir dans ses maths et tout simplement vous prenez la foudre. Voilà, clairement, parce qu'il se cache dans ses maths. Là, je vais réussir à choper un kill plutôt intéressant. Alors, c'est peut-être pas lui. Non, clairement. J'ai dit, mais il a réussi à s'en sortir. Voilà, c'est ça. J'ai failli choper un bon kill. Malheureusement, je l'ai pas eu. Mais je crois que je vais le choper ici, un autre kill. Voilà, nickel. Alors, là, on en profite, hein. Ça, c'est très important. Le fait d'avoir de l'avance, et si jamais vous faites un kill, vous avez même pas besoin de prendre des tics de zone. Vous allez pouvoir voir. Je vais pouvoir reprendre pas mal de maths. Et ça sans souci. Hop, on prend les petits tics. On repart en zone. Donc là, j'ai un peu plus de retard. Et c'est pour ça que quand on a du retard, en vrai, quand on a du retard, c'est cool. Même si là, bon, là, je vais prendre mon pad. J'ai récupéré un pad sur le mec. Donc du coup, voilà. Quand on a du retard, si on a un pad, vaut mieux pad. Sinon, il va falloir être très bon individuellement. Parce que tout le monde est placé et tout le monde vous attend avec, avec une AR ou un pompe. Donc hop, on se place bien tranquille. J'ai beaucoup de maths encore une fois. Là clairement, à partir de cette zone là, voilà. À partir de cette zone là, les gens ont environ, si jamais ils ont pas fait de kill, si jamais ils ont clairement pas fait de kill, 200-300 de maths. On va essayer d'aller sur des gens. Voilà, regardez, il a plus que 60 de maths. Voilà. Clément, lui il a fait des kills. Regardez, il a fait des kills, donc du coup il s'est remis bien. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Voilà, lui il a pas fait de kill, il a 120 de maths. Voyez, donc à partir de cette zone là ils ont souvent entre 100 et 200 de maths. Et donc du coup c'est souvent un des meilleurs moments pour prendre des kills. Voilà, si jamais vous avez de l'avance, un des meilleurs moments pour prendre des kills. Là malheureusement je vais pas réussir à en prendre un. Là je suis clairement gêné par l'arbre, donc je vais devoir être dans l'obligation de le cacher. Pour le moment je l'ai pas encore fait. Ah, ce genre d'arbres sont clairement chiants, hein. Impossible à trouver l'endroit où je peux casser l'arbre. Là clairement je sais qu'à ce stade là je suis un des seuls qui me reste 580 de construits. Voilà, clairement. Donc du coup je sais que je vais devoir choper un maximum de kills. Lui il s'est remis bien, 330 de construits. Mais regardez le nombre de kills qu'il a fait. C'est pour ça, il a eu pas mal de refresh. Mais cette personne là je vois clairement, parce que là du coup vu que j'ai un rocket, je vais essayer de me remettre sur moi. Voilà, vu que j'ai un rocket, bam, je vois en plus qu'il est blanc, free kill. Et donc du coup je vais pouvoir récupérer toutes ces construits. Donc du coup on se retrouve avec 810 de construits. Un sacré refresh carrément. Là malheureusement c'est pas mon mur. Et là très 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 important, vous allez voir un move qui est insane. Surtout quand on a pas mal de maths. Et n'hésitez pas à le faire. Vous allez pouvoir voir que je vais tout simplement me mettre, vu que la zone est arrivée par là, vous voyez, si j'ai... Ouais, on voit mon curseur, nickel. La zone est arrivée comme ça, donc c'est-à-dire que cette partie-là, cette demi-partie ici, est extrêmement stack. Donc du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout simplement me mettre sur l'autre partie où il n'y a personne. Alors, ok, c'est très risqué. Donc, évitez de le faire quand vous n'avez pas des hard mats. Des hard mats, c'est quoi? C'est tout simplement la brique ou le métal. Là, je vais le faire parce que... Bah clairement j'ai des hard mats. Et donc je sais que la hauteur va pas forcément me tirer dessus. Voilà, clairement. Là malheureusement j'ai pas le temps de récupérer les mats. Mais voilà, vu que je suis clairement sur le côté, j'ai une bonne visue sur les gens. Vous voyez, donc le problème de cette strat là, c'est que le high peut facilement vous tirer dessus. Mais si vous avez des hard mats, ça va très bien. Voilà, clairement, là c'est dégoûté. Dégoûté clairement parce que je le mets ultra low et je me fais KS. Lui il avait plus de maths, donc c'est compliqué. Là je vois qu'il y a des floppers dans la zone. Du coup, j'en profite. Bingo, en plus elle revient vers moi. Alors là je crois que j'ai de choke. J'ai clairement de choke. Parce qu'il me restait quand même 48 de maths.
Je vais continuer d'avancer comme ça. Voilà, là clairement j'ai dit pour prendre le kill, malheureusement il a mis le mur et je me suis pris un moins 180, je sais pas combien, mais du coup je suis mort clairement, j'avais fini à 285 points. Mais voilà, dans l'idée ça ressemble un peu à ça pour ce qui est du playstyle low ground, mid ground. Maintenant on va essayer d'apprendre comment bien gérer sa hauteur en solo. Ok, donc du coup on va tout simplement voir les timings de reprise de hauteur, quels sont les meilleurs timings pour reprendre la hauteur. Les meilleurs timings clairement c'est... si jamais vous avez eu un refresh. Alors qu'est-ce que c'est un refresh pour ceux qui ne savent pas? Un refresh c'est tout simplement tuer une personne et vous allez bien vous remettre en termes de construction pour finir votre partie. Donc du coup voilà, dans l'idée, moi là j'avais 1100 de build, donc là ça aurait été un, on va dire le meilleur moment clairement pour reprendre la hauteur. Malheureusement je crois qu'à ce moment là quand j'ai pris le pad, voilà, j'étais pas assez haut, je crois que j'avais piqué, j'avais pas forcément regardé la hauteur. Et ça c'est dommage clairement parce que j'aurais pu clairement BF la hauteur. Donc voilà, ici, clairement, c'est un timing de reprise de hauteur à partir de la fin de la première moving zone. C'est un des meilleurs timings, que ce soit en solo, que ce soit en duo, en trio ou quoi que ce soit d'autre. Clairement, c'est les meilleurs timings, un des meilleurs timings pour reprendre la hauteur. Là, dans l'idée, c'est cette personne-là du coup qui a la hauteur. Et cette personne-là l'a eu depuis le début. Je crois que personne l'a récupéré. Ou je crois, si, après avoir vu ça... il a récupéré la hauteur parce qu'en gros il l'avait perdu lors de la première moving. Il a récupéré la hauteur sur le timing que je vous ai dit à l'instant, donc après la première moving avec le grappin. Donc la hauteur tu peux la récupérer très facilement avec un lance-roquette, avec un grappin ou avec des floppers. Voilà. La méta actuelle c'est ça, qui risque peut-être de changer lors de la prochaine saison. Donc à tenir avec des pincettes tout ce que je dis. Donc là clairement il gère sa hauteur. Voilà, il est à l'écart de tout le monde, il est à l'écart de tout le monde et il est en dessous des construits, donc là clairement il est ultra safe. Et il va récupérer pas mal de kills. Vous voyez, dans l'idée, il avance petit à petit et après bah c'est comme ça, hein. Tu utilises à fond tes hard mat et t'avances petit à petit. Alors je sais pas comment il va mourir, mais à mon avis il va mourir parce qu'il avait plus de mat. Je pense clairement c'est ça. On va regarder ça, comment il est mort à partir du top 2. À mon avis, il est mort en top 2. Là, c'est ça. Il a plus que 4 construits. Là, c'est ça. Zéro de construction et il va mourir. En top 2. Aïe aïe aïe, en plus il prend 200 alors qu'il aurait pu gagner avec les floppers. Ok, donc du coup voilà les gars, je pense avoir terminé pour ce qui est des timings des reprises de hauteur. Les timings pour prendre un refresh ou ce genre de choses, bah quand vous avez plus trop de maths. Aussi comment bien se déplacer, donc pour être safe, pour être le plus safe possible en fin de zone, etc. Voilà, je pense clairement avoir fait le tour. En plus c'était une game très stack, hein, on a quand même eu la Storm Surge pendant pas mal de temps. C'était tout simplement la dernière game, hein. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de Storm. Ok, donc franchement voilà, je pense clairement avoir fait le détour de tout ça. Si jamais dans les commentaires vous trouvez que j'ai oublié quelque chose, bah n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, malheureusement c'est une vidéo qui est très compliquée à réaliser comme la vision de jeu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler de toutes les situations possibles et ça c'est très 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 compliqué. J'essaye de prendre là et de vous expliquer grosso modo toutes les situations qui peuvent arriver, même si c'est impossible, hein, clairement. Mais voilà, n'hésitez pas à reproduire entre guillemets ces situations-là dans vos games. Donc voilà, il y a certaines choses que vous pouvez reproduire et qui sont similaires sur toutes les games, hein, comme les déplacements, etc. Se déplacer dans la demi-partie où il n'y a personne, etc., etc. Si jamais vous avez l'occasion. Voilà, il y a toujours ces petites choses qui se ressemblent, comme j'avais pu le faire lors de la vidéo. Comment avoir amélioré sa vision de jeu, tout simplement. Merci en tout cas à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve du coup très bientôt. Ciao, ciao.